Salut mes amours, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que il y a eu un break, on va dire. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo à proprement dit sur le pourquoi du comment j'ai eu ce break. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve dans mes produits terminés. Donc comment vous dire que je sais même pas vous montrer l'ampleur du dégât. Vous voyez un petit bout là, ouais, vous voyez ça. Vous voyez pas tout ce qu'il y a autour et mon panier de base. Donc mon plat, donc il est plein. Et il y a des produits plein à côté, juste devant, que vous ne voyez pas. Donc voilà. J'ai fait un petit effort sur le décor. J'ai fait un petit effort donc sur mon décor, sur l'arrière. Donc j'ai un fond vert que vous avez déjà vu dans mes anciennes vidéos, je pense, il me semble. Je ne sais plus, ça date tellement. J'ai mon petit Stitch qui m'accompagne toujours et du coup j'ai mis un plaid Bambi juste derrière moi. Franchement, la classe, je suis au top du top. Voilà, donc j'ai refait mes ongles. Voilà, excusez-moi pour... je vous insère une photo de mes ongles plus près. Et voilà, on y va pour les produits terminés tout de suite. Je vais tirer au pimpanf plouf dedans parce que j'ai rien trié. Si je commence à trier, je suis encore là demain et je n'ai pas le temps. Donc voilà. On commence par ceci. Ben voilà, le truc le plus con, le plus basique, une boîte à mouchoirs vide. Voilà. C'est les Sublimo, les gars. Voilà. C'est des mouchoirs. Qu'on se tienne au courant, c'est des mouchoirs et basta, Button, c'est des mouchoirs. Donc, excusez-moi, je n'ai plus l'habitude de vous regarder. Là, je regarde le retour qui ne sert à rien. Il faut que je vous regarde, vous. Ça va être très compliqué, cette vidéo. La reprise est très compliquée, la reprise. Ça va être compliqué parce que je me souviens quasiment de presque plus rien des produits, ni de ce que j'en ai pensé, le trois quarts. Voilà, comme ça, c'est clair. Pour commencer, merci Monsieur Corona. Première fois de ma vie, je termine ça. J'ai deux désinfectants, tous les deux viennent de chez Action. Donc c'est celui à l'aloe vera, Angel aloe vera, voilà celui-là. Je ne l'ai pas aimé, franchement je ne l'aime pas celui-là. Je préfère 100 fois mieux, c'est les Merci Andy que j'utilise maintenant. J'ai terminé celui-ci, donc le petit flamant rose, j'ai le bleu, je ne sais même plus lequel. Voilà, il n'est pas encore entamé, mais j'ai terminé celui au flamant rose. Je ne sais plus ce qu'il sent, je vais vous dire ça tout de suite. Il sent bon, mais pas très perspicace. Je suis pas très convaincue. Voilà, sachant que ce truc là, maintenant, si j'enlève la housse, ne me sert à rien parce que j'ai aucun désinfectant de cette forme là. Tous mes désinfectants ont cette forme là. À quel moment ça m'est utile? À aucun moment ça m'est utile. Voilà, donc ça, poubelle aussi. Avec le pot qui ne sert à rien. Ou peut-être que je le donnerai à... Oh, je le donnerai à ma petite soeur. Voilà, elle va s'amuser avec. Écoutez, voilà. Bon amusement, petite soeur. Excusez-moi pour le sac. Je ne sais plus. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ensuite, j'ai terminé... Voilà. Ça, j'en ai terminé deux comme ça. Oh, il se casse la gueule. J'ai terminé deux comme ça, Mentos, que ça vient de l'Action. Ceux-là, ils sont bien, mais sans plus. J'ai terminé ceux-là, ils viennent du Aldi ou du Lidl, je ne sais plus. Voilà, sans... c'est des chics. Ensuite, un déodorant qui vient Bonnie. Donc, ça vient. Ça, je l'avais acheté. C'est une bonne question hein, où je l'avais acheté. Je crois que c'est Colruyt. Un truc ainsi, voilà. Oui, Colruyt Group, voilà. Il fait son job, sans plus. Je l'ai pas trop kiffé. Ensuite, j'ai enfin terminé mon petit format de Yves Rocher. C'est un gel douche concentré. Il sent super bon. Donc c'est à la grenade, grenade B rose. Voilà, il sent super méga bon. Il est génial. Par contre, 40 douches. Non. Je crois que j'ai fait une semaine avec un. J'ai fait 7 jours. Même pas. Voilà. Il y a 100 ml, excusez-moi, mais... Voilà. Ensuite, ultra doux. Donc ça, c'est un
shampoing. En fait, c'est corps et cheveux, mais je l'utilisais que pour mes cheveux. C'est le citron et fleurs de sureau. Ils sont super bons. Ils sont super bons. Ils rendent les cheveux tout doux. J'ai adoré. Ensuite, un après-shampoing que j'ai terminé à la mangue. Ça vient de Colruyt également. Donc voilà. Il est génial. Ils sont super bons. Il est top. Il rend les cheveux tout lisses, tout doux. Il démêle aussi. Il est juste somptueux, ce après-shampoing. Je vous en parle plus, mon shampoing chouchou. Voilà, réparation, expert, renforce et répare. Voilà, je vous en parle plus, il est génial. Je l'ai racheté encore. Ensuite, un autre shampoing que j'ai terminé, la noix de coco, comme ceci. J'ai l'impression qu'il y en a encore, mais quand la dernière fois que j'ai utilisé, il n'y en avait plus. Celui-ci vient de Action. J'ai pas aimé, pas du tout. Il lave, mais il rend mes cheveux tout secs. Donc, si je fais pas d'après-shampoing ou de masque, c'est mort. Il agresse mes cheveux, il est tout sec, tout. J'ai pas du tout aimé, pas du tout. Ensuite, après shampoing, huile macadamia et cacao oil. Une huile, mais je ne sais plus laquelle. Voilà. Ça vient de Primark et je suis retournée à Primark hier. J'ai voulu le racheter et il n'y en avait plus. Voilà. Poubelle. Ensuite, je vous en parle les mêmes chics de tout à l'heure. Un déodorant fa comme ceci, Hawaii Love. Ils sont bons, mais les fa ne font pas le job pour moi. Donc, celui-là, c'est pareil. Le Pink Passion poubelle, je ne rachète plus de fa. Ça ne me convient pas. Ensuite, que je vous en parle encore des chics. Je vais finir avec toutes les chics, c'est pas possible. Faut que j'arrête, les gars. Une bougie, elle vient d'où celle-là? Je crois que c'est celle que j'avais achetée au Action, comme ceci. Elles sentent bon, mais voilà, sans plus. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est les bougies, le comptoir de la bougie, c'est douceur de coton, comme ceci. Donc j'ai deux pots de terminer. Ensuite, j'ai terminé la bougie que j'ai eue dans le swap aux fruits rouges et épices. Elle sentait super méga bon. Franchement, c'était une tuerie cette bougie. Je la kiffe. Petit clin d'œil si voilà, vous savez quoi m'offrir. Des bougies. Voilà. Je rigole. Ensuite, j'ai terminé une boîte d'allumettes. J'en avais plus beaucoup dedans, fallait que je la termine parce que de toute façon mes bougies, je les allume au briquet, mais fallait que je termine ça. Ensuite, un déo comme ceci de la marque Rituals. Ils sont super bons. Ils fonctionnent super bien. J'irai racheter le grand format dès que j'en aurai l'occasion parce qu'il est top. Top du top. Le meilleur déo ever que j'ai testé de ma vie. Ensuite, j'ai terminé, je ne les compte plus, des petits chauffe-plats, là, comme ça, là. 5. J'en ai 11, et c'était tout ça la vanille. Voilà. Ils sentaient bon, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé paquet de lingettes. Onyx, je les aime pas, ils piquent les yeux, donc je les utilisais que pour les swatchs quand je faisais des vidéos. Ensuite, j'ai terminé des lingettes intimes. On n'en parle pas, c'était de la merde. Et j'ai terminé ma petite bougie comme ceci que j'avais acheté à Primark, donc en forme de pomme, qui était, je crois que c'était par rapport à Blanche-Neige, il me semble, je ne sais plus. Elle sentait super bon. Et voilà. Donc j'ai besoin de votre aide. Si vous avez des astuces pour nettoyer les bougies, je suis preneuse parce que j'aimerais bien garder mes pots, mais je ne sais pas comment faire pour enlever le reste de la bougie qu'il y a dedans. Donc voilà. Du coup, c'est vide. Tout est vide. C'est génial. Je vais pouvoir remplir mon pot avec des produits terminés plus tard.
Donc voilà, je crois que c'est tout. J'ai plus rien à montrer. Je regarde à l'horizon parce que c'est bordel dans ma chambre, si vous ne savez pas. C'est bordel, c'est catastrophique. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye!